Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Clé Magique. Clé Magique c'est du jeu plutôt pour enfants et on en profite donc. Pour vous faire un, une petite vidéo un peu pédagogieux. C'est-à-dire une vidéo où on joue, mais on vous explique aussi l'intérêt pédagogique de certains jeux. Alors, Clé Magique, c'est un jeu de monsieur Arnaud, de monsieur Marcus. Euh, c'est du jeu pour enfants, je viens de le dire. Et c'est un jeu qui utilise une mécanique connue du stop ou encore. Alors, le stop ou encore, chez les enfants, ce n'est pas toujours simple, puisque le stop ou encore, c'est la prise de risque. Est-ce que je dois prendre des risques? Est-ce que je dois m'arrêter Et c'est vrai que plus on est jeune et plus il est compliqué de se rendre compte de l'intérêt que j'ai à continuer ou à m'arrêter de ce que je vais perdre ou de ce que je pourrais gagner. C'est une mécanique qu'on retrouve assez souvent, voilà, plutôt chez les adultes. Ici elle fait son apparition, en tout cas il y a quelques jeux déjà qui la proposent, mais en tout cas... D'où le fait qu'on donne ce jeu à partir de 5 ans, puisque c'est à peu près, on va dire, à cet âge-là qu'on commence à être capable de s'auto-évaluer. Alors, clé magique. Dans clé magique, on a voilà, la boîte qui se transforme en joli parcours avec de petites clés qui sont sur le parcours, qui me permettraient d'ouvrir un super coffre magique. Dans ce coffre, il y a des diamants. Et j'aimerais pour gagner la partie, être le premier à arriver à au moins 10 diamants. Alors ça c'est en fonction du nombre de joueurs. Pour pouvoir prétendre à ces diamants, il faut que je récupère une clé qui ouvre le coffre, bien sûr. Pour récupérer cette clé, mon petit, les petits personnages qui sont ici, qui me représentent, vont essayer d'avancer le plus possible sur le parcours, en espérant, si possible, avoir la clé dorée. Plus j'avance sur le parcours et plus je pourrais prétendre avoir des diamants, puisqu'en fonction de la couleur, je pourrais en récupérer plus ou moins. En effet, une clé violette, c'est deux diamants. Une clé bleue, deux diamants. Alors qu'une clé verte, trois diamants, c'est déjà un peu plus intéressant. Une clé jaune, quatre diamants. Et alors, le must, c'est la clé dorée, cinq diamants. Donc vous voyez, plus j'avance et plus je pourrais prétendre à une belle récompense. Pour jouer, ça marche avec des dés. Je lance les dés, hop, et je vais regarder ce que j'ai sur mes dés. Soit j'ai une petite lune, soit j'ai des petits personnages avec des chiffres. Les dés lunes, j'ai pas de chance, ils sortent du jeu et je les mets sur le côté. Les dés personnages, eux, ils vont me permettre d'avancer. Et ici, je peux choisir. Soit j'avance de 3, soit j'avance de 2. Je vais avancer de 3. Intérêt à avancer le plus possible, puisqu'on a dit que les clés les plus intéressantes sont les plus hautes. Donc, j'avance de 3. 1, 2, 3. Une fois que j'ai fait ça, je peux décider de relancer mes dés. D'où le côté prise de risque, d'où le stop ou encore. Est-ce que je relance est-ce que je décide de m'arrêter et je récupère la clé Eh bien, je vais relancer. J'en ai encore deux. Ce serait vraiment pas de chance de faire de lune. On est d'accord. Hop, ça tombe bien. J'ai pas fait de lune. Soit maintenant j'avance de 4, soit j'avance de 2. Je vais de 4. 1, 2, 3, 4. Pareil. Est-ce que je relance ou est-ce que je m'arrête Je relance. Hop, j'ai de la chance parce que je fais pas de lune. Donc, cette fois-ci, je vais avancer de 4. 1, 2, 3. Ah, alors là je suis tombée sur la case rouge. Eh bien la case rouge, pour une fois, ce n'est pas une case de danger, pas du tout. C'est une case qui me permet de récupérer et de remettre en jeu les dés lunes que j'avais pu mettre de côté. C'est vraiment une très bonne chose. Et du coup, je continue en récupérant le dé en plus. Hop, une lune, je mets de côté, j'avance de deux ou de deux, et eh bien je vais avancer de deux. Hop, je prends le risque de continuer. Ah, une nouvelle lune, j'avance de 1. Alors là, maintenant, il ne me reste qu'un dé. Est-ce que je prends encore le risque de continuer Ou est-ce qu'au contraire, je récupère la clé Je vais plutôt être raisonnable. Je me dis que là, j'ai quand même sur le dé deux chances sur 6 de faire une lune. Si je me rappelle bien de mes cours de maths, ça fait une chance sur trois. Donc j'ai une chance sur trois de faire lune. Je trouve que c'est un petit peu trop élevé. Je vais prendre la clé. Et je vais essayer d'ouvrir le coffre. Est-ce que ça marche Pas de chance. Le coffre ne s'ouvre pas. j'ai pas de chance. Si le coffre s'était ouvert, je vais tricher un peu. On va essayer avec celle-là. Voilà. Si le coffre s'était ouvert, vert, je peux prendre trois diamants. Là, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave. Parce que ma clé, je vais la garder. Et lorsque ce sera de nouveau mon tour, elle me permettra d'avoir un petit bonus. Hop, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant replace le personnage au départ et à son tour de jouer va pouvoir reprendre les 3D. À son tour il lance et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il récupère une clé ou alors imaginons que le joueur suivant, oh, au bout d'un certain nombre de tours, fait trois lunes. Il s'est pas arrêté à temps, il fait trois lunes. Dans ce cas, le personnage reste sur place qui fait que maintenant que c'est de nouveau à moi de jouer, au lieu de commencer là sur la case de départ, eh bien je vais pouvoir commencer ici. Et ça c'est vraiment sympa parce que du coup, j'ai un véritable avantage que me laisse le joueur d'avant. Vous avez compris Si je prends des risques alors, non seulement je ne récupère rien si je fais des lunes, mais en plus je peux permettre au joueur suivant d'avoir un chemin plus court, puisque j'ai déjà avancé dessus pour arriver jusqu'à la clé dorée. C'est à mon tour de jouer, je lance une lune, je mets de côté et j'avance de 3. Si je veux, grâce à ma clé. J'ai récupéré tout à l'heure qui n'ouvrait pas le coffre, je peux décider de la mettre dans le puits au souhait. Voilà, et en faisant ça, je peux récupérer tous les dés lunes que j'avais mis sur le côté. En gros, cette petite clé qui ne m'a pas permis d'avoir de diamants me permet d'avoir une chance de secours si je me trompe et si d'un seul coup j'ai besoin de récupérer des dés pour aller plus loin. Vous avez toutes les règles de clé magique. Clé magique, je le répète du jeu à partir de 5 ans, du jeu pour s'auto-évaluer, pour apprendre à prendre des risques, pour peser le pour et le contre, ce qui est important des fois de faire avec des enfants. Est-ce que je continue au risque de perdre mon avance, au risque ici d'avantager le suivant, ou est-ce que je préfère sécuriser, je m'arrête et je tente ma chance d'ouvrir le coffre